Il se fait qu'il y a un réalisateur de film, et je ne sais plus qui c'est, qui avait dit que quand on fait un film, c'est jeter une bouteille à la mer. Eh bien, je trouvais que c'était vachement bien comme comparaison, dans la mesure où on y met tout ce qu'on peut y mettre, et on ne sait pas qui va le recevoir, comment. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais ni écrit, ni réalisé, ni pensé en me disant, tiens, c'est pour tel public. Le but, évidemment, c'est de communiquer au plus grand nombre à partir du moment où on fait ce geste, on tente une conversation avec quelqu'un, qui est donc chacun des spectateurs, on espère évidemment qu'il y en aura le plus et que la qualité de la communication sera la plus haute possible. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. À partir du moment où le film met en scène deux jeunes, il est possible, je pense en tout cas, que le public jeune peut s'y intéresser vraiment. Mais c'est le genre de choses qui, à un moment donné, enfin, qui très vite ne t'appartient plus. C'est-à-dire que je crois que ce qu'il faut faire, c'est le mieux possible, vraiment travailler, enfin, faire le mieux qu'on peut, et à l'instant, c'est fini. Lâcher prise et être le plus zen par rapport à ça, et être le plus, je dirais, le plus humble par rapport à quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si jamais ça se passe très 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 bien, ben alors remercier la vie, et si ça se passe mal, ne pas commencer à culpabiliser.